If he kills the Shadow Lord, the entire plan will collapse. We'll need to restrain him before that can happen. Come on, you really think he'll listen to us? Maybe. It's just... I don't know. Lately, I've been thinking a lot about all the time we used to spend with him. Devila! I know. We can't afford that kind of thing, I get it. But I know you feel it too. Even if I did, we have no choice. We were... It's funny I'm even concerned about this. I mean, it's not like he has a soul. Goodbye, my friends. Thank you for everything. Emil! For so long, all I could do was destroy. But now, I have a chance to save something. No! Now get going, okay? Emil! Don't worry about me. I'm gonna be fine. Emil! 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 You jackass, get back here! Dear. Kaine's so unstable, and Vice can't stop arguing with people. I hope they can hold it together once I'm gone. Well, I guess they'll just have to learn. Just one more time. I'm scared. I don't want to die. Les ténèbres. Une noirceur sans fin. Elle s'étend encore, encore et encore. Les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe. Aux ténèbres se joint une sensation mystérieuse, la rencontre d'un sommeil bien heureux et d'un froid terrible, infini. Suis-je dans un rêve ? Il lève la main pour se pincer la joue. Cependant, sa main ne bouge pas. En fait, sa main a disparu. Il regarde ses bras et ne voit que des os. Il regarde ses pieds et constate qu'ils ont disparu, ainsi que ses jambes, jusqu'aux cuisses. Le corps qu'il lui reste commence alors à se désagréger en infimes grains de poussière. Son corps le quitte. Bientôt, il ne sera plus. Serait-ce la mort ? Soudain, son passé lui revient. L'époque qu'il a vécue avec sa sœur lui revient en mémoire comme une étoile filante. L'évocation ne dure qu'un instant, mais suffit à colorer les ténèbres. Bientôt, d'autres souvenirs font surface, se rassemblant les uns auprès des autres, jusqu'à former une lumière chaude et glorieuse. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Privé de couverture, le garçon se retrouve exposé à l'impitoyable lumière du soleil. « Allez, gros feignant !» insiste la voix. La vue du garçon, d'abord confuse, s'éclaircit et il distingue le sourire radieux de Alua, sa sœur jumelle, de quelques minutes de son aînée. « Bonjour, Alua. N'aie pas l'air si content, idiot. La professeure va bientôt arriver. » Alua attrape le bras de son frère et le tire sous le lit, où ils attendent l'arrivée de leur instructrice en compagnie de moutons de poussière. Émile ouvre la bouche pour poser une question,
mais Alua place un doigt sur ses lèvres. Ne commence pas. On s'est mis d'accord hier, tu te souviens? On va sauter et lui faire la peur de sa vie. Après quelques minutes, la porte s'ouvre et une petite femme entre dans la pièce. Bonjour Alua. Bonjour Émile. Vous êtes prêt? Émile jette un coup d'œil à sa sœur qui tente de réprimer un gloussement, ce qui lui donne envie de rire aussi. Les moutons de poussière décident alors d'intervenir et de chatouiller les narines des deux filous qui éternuent à l'unisson. Soudain, le visage de leur professeur apparaît dans l'espace qui sépare le lit du sol. Ah, vous voilà, chenapan! C'est ta faute, râla Lua. T'as tout gâché! Moi? S'écrie Émile, blessé. Tu as éternué tout aussi fort! Ah, ça suffit, vous deux! Dit la professeure, s'efforçant de masquer son amusement. Allez, sortez de là et laissez-moi prendre votre température! Le duo s'extirpe joyeusement de sa cachette et se présente à la professeure. C'est une belle femme, avec une voix douce qu'Émile aurait adoré entendre pour le restant de ses jours. Il se disait même souvent que l'entendre au réveil était son moment favori de la journée. La professeure s'installe sur son siège, se tapote la cuisse, et Émile bondit joyeusement sur ses genoux. Elle glisse ensuite un thermomètre glacé sous l'aisselle d'Émile, qui est parcouru d'un frisson. Désolé, sois courageux, encore quelques secondes, d'accord? Émile détestait qu'on lui prenne sa température tous les jours. Le thermomètre est terriblement froid, mais après 2 ans dans l'établissement, il s'y est habitué. Ses deux parents avaient péri dans un accident des années plus tôt. On lui avait dit que l'établissement dans lequel il se trouvait était un orphelinat ordinaire, mais il avait toujours eu des doutes. Dans les autres orphelinats, il n'y a pas de docteur en blouse blanche, pas de leçons ou d'étranges questions sans cesse répétées, on ne connecte pas de fil au corps des enfants avant de les enfermer dans des grandes caisses. C'est un procédé sans fin. Les tests s'enchaînent. Pourtant, la professeure d'Émile semble détachée de tout cela. Elle lui parle de problèmes de tous les jours, lui lit des livres et mange avec lui, parfois. Pour lui, elle est presque comme une mère. Leur température prise, Émile et Alua attendent le petit déjeuner. Mais quelque chose est différent aujourd'hui. Leur professeur est ailleurs. « Émile, » dit-elle doucement, « connais-tu la date du jour ?» Émile jette un regard à sa sœur qui le fixe avec un immense sourire. « Non, » dit-elle, « tu dois le deviner tout seul. » Mais malgré tous ses efforts, Émile n'y arrive pas. « Désolé, madame, » finit-il par dire, « je ne sais pas. » Avec un sourire, l'enseignante fouille la poche de sa blouse blanche et en sort un petit paquet. C'est un sac soigneusement fermé par une ficelle et décoré d'un ruban rouge vif. « Joyeux anniversaire, Émile !» dit-elle. « Et joyeux anniversaire à tous les deux !»« Oh, merci !» s'écrie Émile. « Je peux l'ouvrir ?»« Bien sûr !» répond sa professeure. « Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'espère que ça vous plaira. » Émile dénoue le ruban avec précaution et découvre une petite pile de biscuits. Ce sont les biscuits distribués dans l'établissement, mais puisqu'ils viennent de leur professeur, ils en deviennent spéciaux. Il laisse s'échapper un hoquet stupéfait. À côté de lui, sa sœur ne peut réprimer un rire, ses yeux rivés sur le ruban rouge. Joyeux anniversaire, Alua ! S'exclame Émile en plongeant la main dans le sac pour lui tendre un biscuit. Sans demander son reste, la petite fille enfourne le biscuit dans sa bouche et l'avale en 2 secondes. Joyeux anniversaire à toi aussi, Émile ! Soudain, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle bondit vers la petite commode qu'ils partagent. Elle tire un tiroir difficile, en sort une unique feuille de papier cachée sous une blouse et retourne vite auprès de son frère. « Voilà ton cadeau !» dit-elle, lui donnant le papier d'un air un peu embarrassé. Ils sont maladroitement griffonnés les mots « Joyeux anniversaire, Émile !» ainsi qu'un portrait richement coloré. Elle avait probablement utilisé tous les crayons de la boîte. « C'était... c'était moi. » Incapable de se retenir, Émile fait un énorme câlin à sa sœur. « Merci !» chuchote-t-il alors qu'elle lui rend son étreinte. « Pour notre prochain anniversaire, je te dessinerai, d'accord ?» Ma sœur était là. Ma professeure était là. C'était mon anniversaire. Je ne pensais pas pouvoir être plus heureux. Je suis content que le dessin d'Alua soit mon dernier souvenir. Des ténèbres profondes et absolues couvrent mes yeux. Je comprends que l'heure est venue. J'ai terriblement froid. J'essaie de me souvenir de la chaleur d'une étreinte. Je me demande si mon horrible visage est tout ce qu'il reste de moi. Alua, je suis désolé. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Mais je viens te rejoindre. Attends-moi.
Wake up. Wake up. Please, wake up. Come on, Emil. Wake up already. Alua? C'est toi? You haven't changed a bit, have you, lazy bones? Alua, mais tu es venu me chercher? Je suis mort? No, Emil. You're not dead. I'm just here to keep my promise. Une explosion de couleurs bouleverse le monde des ténèbres qui m'entoure. Du rouge, du jaune, du bleu, tant de couleurs que je ne sais nommer et que je n'ai jamais vues. Comme si on utilisait tous les crayons de la boîte. I told you I'd always be watching over you, didn't I? Alua, je ne... Don't worry about it, you butt. Looking after little brothers is just what big sisters do. Sa voix, elle s'estompe. Sorry, Emil. Looks like I'm out of magic. Alua, attends. Emmène-moi avec toi. You are with me. I'll always watch over you. So we'll always be together. Alua, non. Ne pars pas. Cry, Emil. I want you to be happy. Alua. Promise me that you'll live for both of us. Les ténèbres s'évanouissent, remplacées par un ciel d'un bleu éclatant. Je ne sais pas où je suis, ni ce que je dois faire, mais j'ai le droit d'être là. J'en ai la certitude à présent. Elle m'a donné le courage de l'accepter. Plus de larmes, je vivrai avec le sourire, car c'est la promesse que je lui ai faite. Ah, toujours autant le charisme, ce Shadowlord, hein, quand même. Hein. Il a un petit truc, j'adore son arrivée et sa mise en scène. Vraiment, il y a vraiment un côté, genre, à la fois boss final pour la run A et à la fois la terreur, quoi. Quand tu as derrière toute la run B en tête. Bon, allez, on va finir ça rapidement. De toute façon, là, ce qui vous intéresse, c'est la fin C, donc les nouveautés. To live. Ce moment de la tristesse absolue. Si je perds, tiens, volontairement. Non.
Well, ain't that precious? I'm happy for him. You know, Sunshine, that Black Skrull has almost completely taken you over. Yeah, I know. But goddamn, we had fun, huh? Killing and killing and more killing. What a rush. Yeah. Wait. No. No, no, no! It wasn't fun at all! I turned you into a killing machine. I spread evil and chaos around the world. But it all feels so empty now. Why? I don't understand. Sorry. Looks like you stayed inside me for a little too long, Sunshine. Stop! Don't be nice to me! Don't make me feel like this! I'm gonna swallow you up, Sunshine. Gonna swallow you whole. Donc là, on voit finalement ce qui se passe en contre-champ. Normalement, pendant la fin A et B, hein, évidemment. On comprend pourquoi Kaine avait ce truc-là donc au bras et donc ce qui se passait pour elle. Et on peut intervenir. Kaine? What is it? Listen to me. The shade inside me is growing, and I can't stop it. Soon, real soon, I'm gonna go berserk. I can't hold it back anymore! Kaine, you have to fight. You have to... Just shut up and listen to me. Emil is gone, all right? So there's no way anyone can stop me. Comes to that, I want you to kill me. Consider it enough of a request. Oh, j'avais complètement oublié qu'on avait ça. Well, hell, Sunshine! It's not like I can stop it! When Gestalts go out of control, they lose their minds! Both of our memories will be completely overridden! Kaine! Ah oui, là, ça, oui. Prends le contrôle. Damn it. Ah yes. Ah oui, j'avais oublié complètement. Ok, ça rajoutait même un combat. Oh, alors attention, parce que là... Comment ça va se passer, cette histoire? Attends, mais faut juste que j'esquive. Lisez bien le dialogue, hein. Ne loupez rien. Oh, je me fais martyriser. We made it this far because you were with us, Kaine. I'm who I am today because of you. I'm not going to give up on you. I'm not going to abandon someone I love. I'm going to save you. I swear it! Okay. There might be one way to save her. Who said that? It don't matter, so don't ask. Just shut up and listen. Wait, are you... I said, listen! Alors lisez bien les dialogues, hein, c'est très important. All right, but you're gonna have to make a difficult decision. I'll
do whatever it takes. When the time comes, I'm going to pin Kaine down. And as soon as I do, you need to stab him in the heart. No, I can't! Fine. Don't believe me. Stand around with your thumb up your ass and watch her die a terrible day. Damn it. Oh là là, avec la musique et tout, ça marche tellement bien. Donc Tyrann, hein, qui prend le contrôle une bonne fois pour toutes, d'où le changement d'allure de Kaine. Hein. Pour les gens qui comprennent pas, en fait, elle passe pas en mode ombre parce que c'est son nom. En fait, c'est qu'elle passe là, ce qui contrôle complètement le corps de Kaine, c'est la volonté de Tyrann, en fait, hein, qui était là depuis le début. C'est ce qui nous a permis notamment d'avoir les pensées des ombres. C'est ce qui permettait à Kaine de pouvoir voir tout ça elle-même. Enfin voilà, c'est l'ensemble. Par contre, ouais, ça pique. Hein. Et j'arrive pas à faire les parades, terrible. Allez hop! Ah oui, j'ai plus le livre! C'est vrai, je peux pas faire non plus ce que je veux. Oula, attention. Ok. Alors, je vais encore me soigner parce que je sens que le combat est pas fini. Elle tape tellement plus fort que quand on l'a affronté la première fois comme ça. Oula, oula, oula! Yes. Aïe. Ça pique. Donc c'est déjà quelque chose qui était comme ça dans le jeu de base. Hein. Je précise, c'est moi qui ai une mémoire nulle à chier. Mais par contre, c'était déjà ça. Hein. Il n'y avait pas un rajout, quoi. Aïe, 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 aïe. Mais terrible. Allez, allez, faut qu'on en finisse. Si la musique est divine. Ah non, non. Putain, mais elle fait des esquives de ouf. C'est bon. Very nice. Now, if you want to save your precious Kaine, there are two ways to do it. One is to plunge your sword into her chest. That's what she wants after all. Freedom from burdens, freedom from life. What's the other way? The other way is to make her a normal human being again. But to make that happen, you gotta trade your own existence for hers. Well, there you go. Good luck with that. You're that shade. The one who lives inside Kaine. Why are you trying to help her? Probably for the same reason you are. Enough talk. Make your choice. Alors attention, petite correction par rapport à ce que j'ai dit, parce que j'ai dit une connerie. C'est pas Tyrann qui prend le corps de Kaine, mais c'est tout simplement son... C'est Nécrosronique en fait, qui l'a fait péter un plomb sur ce coup-là, et qui fait que justement elle en arrive à tout ça. Excusez-moi pour l'erreur. Alors bien évidemment, nous allons avoir un choix, vous allez voir les deux, ce sont les fins C et D. On commence par la C. Spent years inside Kaine's body, tormenting her from within. I felt her pain, her emotions, as if they were my own. And there was so much pain. So when I say she's free now, I want you to believe me. Thanks to you, Kaine has been forgiven and saved.
Oh, wait. She had a final message for you. Cette fin dans laquelle Yona finalement bon. Le OSF est total. Aïe 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 aïe. Bon, très triste évidemment cette conclusion là. Pas très heureuse encore une fois, mais de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment une fin heureuse dans le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, voilà, vous avez les infos sur Kaine, et puis vous avez ce bisou final un peu ultime hein, qui vient mettre un point sur, eh bien, leur relation à tous les deux qui s'est faite au travers des années hein, et qui s'est construite petit à petit. Mais bon, après, le souci, c'est qu'effectivement, la mort a été le chemin de la rédemption pour Kaine, et donc également sa fin. Enough talk. Make your choice. Allez, on est reparti pour le fameux choix. Et j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui ont fait Nier Automata, qui ne connaissent pas ce jeu-là, qui le découvrent peut-être ici avec moi, ou qui vont le découvrir plus tard, éventuellement, et qui vont voir du coup cette fin-là, et qui vont comprendre d'une certaine manière que déjà en 2010, en fait, bah tout était déjà là, quoi. Disappear from this world. Your sister, your friends, everyone in your life will forget you. You and any sign that you ever existed will be erased. But in exchange, Kaine will return to her mortal life. Vous avez bien lu, vous avez bien lu. On sacrifie tout pour pouvoir sauver Kaine. Est-ce qu'on le regrettera? Bien évidemment non. Est-ce qu'on veut vraiment, vraiment sauver Kaine au prix de toute notre aventure? La réponse est bien évidemment un très grand oui. Et donc, on doit saisir le nom du joueur, alors c'est évidemment le nom du perso qu'on a indiqué sur le départ. Quand on dit qu'on efface tout, on efface absolument tout. Au revoir la pêche. Au revoir les armes. Au revoir l'inventaire. Au revoir les quêtes, bordel. Au revoir absolument tout.
you all right? Yona? It was you. The one who helped me, I mean. Wasn't it? Thank you so much. I'm glad you're okay. What's wrong? Huh? I mean, you defeated the Shadow Lord and everything, but you... you don't look happy. I don't? This is a lunar tear. How pretty. Are you crying? Yeah. I guess I am. Elle est tellement incroyable cette fin en vrai. Bon déjà évidemment faut se resituer dans un contexte où Nier Automata n'existe pas, imaginez à l'époque vivre ça. Tu sacrifies vraiment quelque chose en fait, de toi, pour sauver Kaine et accéder donc à cette fin là. Ce qui déjà de base est engageant de ouf et ce qui marche extrêmement bien. Et puis il y a ce truc de l'alarme lunaire, et il y a ce truc de cette Kaine finalement qui je trouve d'un coup en fait devient quasiment le personnage principal en fait. Il y a vraiment ce truc où elle a tellement en fait été au cœur de tout ce qu'on a vécu depuis la run B, avec déjà la grande nouvelle qui nous raconte eh bien tout son passé, tout ce qu'elle a vécu, l'acceptation de sa grand-mère et tout ça, et en plus derrière avec tous les combats qu'on a pu parcourir, le fait qu'on sait très bien que bon, nous on vit notre aventure et tout, mais en fait ce qu'on vit vraiment dans la run B, c'est ce qu'elle a vécu elle, le fait de savoir en connaissance de cause ses ombres, tout ce qui se passait. En fait, indirectement, on vit l'histoire de Kaine. Et là, t'arrives sur ce truc où, à la fin du jeu telle qu'elle était à l'époque, attention, parce que là, bon oui, maintenant on sait qu'on a des bonus et tout ça dans ce remaster-là, mais à l'époque, c'est la vraie fin. C'est-à-dire que là, voilà, c'est Kaine, Nier n'existe plus, et il ne lui reste que cette fleur qui lui évoque quelque chose, et qui est la fleur que Nier lui a donnée, rappelez-vous, donc, au moment où elle se réveillait, quoi. Donc il y a vraiment un truc de trop, trop, trop mignon dans cette fin-là. Et j'adore Kaine. Enfin, vraiment, enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais je trouve que son rôle, en fait, crève l'écran durant toute l'aventure. Et je m'en rends encore plus compte en refaisant le jeu. Parce que, bah, finalement, ouais, tu te sors complètement de cette petite prison, on va dire, taillée sur mesure du Yona qui doit être sauvée par Nier, machin, etc. Pour finalement juste voir tout plein d'autres histoires, notamment celle de Emile aussi, qui est très émouvante, mais je trouve principalement, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché le plus, l'histoire de Kaine. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est sur un remaster qui ne fait pas les choses à moitié. Alors déjà, c'est la version complète du jeu, parce qu'on a eu le rajout de cette quête annexe, enfin, de cette quête principale, pardon, à Littoral, qui était donc, normalement, donc quelque chose qui aurait dû être dans le jeu, qui finalement ne l'a pas été, qui aujourd'hui l'est, désormais, et peut-être que dans ce remaster, il y a des choses encore un peu plus denses à découvrir. Et ça, bah, pour YouTube, je vous le dis, ça sera pour la prochaine VOD. Kaine, are you okay? Emil? You betcha! Anyhow... Hey-ya!
It's good to see you safe!